Parfois, quand on fait des péchés, il y a des waswas d'Iblis, de Shaitan qui peuvent venir. C'est trop. Tu fais trop de péchés. Et là, on se dit, je ne vais pas y arriver. J'ai trop de péchés dans ma vie. Comment je vais faire alors que, jour après jour, j'accumule les péchés? Comment est-ce que je dois réagir? Comment réagit le croyant et comment réagit la croyante? Quand Adam alayhi salam est avec son épouse alayhi salam, et qu'Allah Ta'ala va leur donner des consignes. Il va leur dire « Wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin » Mais n'approchez pas de l'arbre. La taqraba, n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des ingrats. La spiritualité, ta connexion avec Allah, ton dîn, ta religion, elle commence avec une erreur. Parce qu'on sait tous ce qui s'est passé. Wa'asa Adam, Rabba, Farawa. Mais lorsque Adam alayhi salam et son épouse vont faire cette erreur, quelle va être leur réaction? Est-ce qu'ils vont faire comme Iblis? Qala Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement parmi les perdants. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour ceux qui sont mariés, le mari et l'épouse doivent être sur la même longueur d'onde. S'il n'y a pas d'entente spirituelle, de réflexe, d'état d'esprit commun, alors c'est très difficile. Parfois même, on peut perdre la foi. À d'autres endroits, il dit « Wala taqrabu az-zina » N'approchez pas le zina. Ou Wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan la taqrabu. À un autre endroit, Allah Ta'ala dit Wala taqrabu al fawahish. N'approchez pas des turpitudes, des choses honteuses, ouvertement ou en cachette, quand personne ne te voit. La proximité de quelque chose, ça emmène de la familiarité. Il y a des bons rapports qui vont s'installer et cette familiarité-là va t'amener à la mahabba. Tu vas aimer cette chose, petit à petit. À force de te rapprocher de cette chose, tu vas ouvrir une porte, puis une deuxième porte, puis une troisième porte. 10 portes, 11 portes, peu importe le nombre. Mais la mahabba va s'installer dans ton cœur. Et lorsque l'amour excessif va rentrer dans ce cœur, cette chose va te rendre aveugle. Le fait que tu sois amoureux de cette chose, ça va te rendre aveugle et sourd. Aveugle à ce que tu es en train de faire, aveugle à la grandeur d'Allah, sourd au rappel d'Allah, tout ça tu vas oublier.